Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 avec le chaos, et on était rentré en guerre contre Belacor qui s'était fait virer comme un malpropre par les Brotos, et nous allions nous diriger tranquillement vers Siegwald le Magnifique. Voilà. Hop. Voilà. On se met en mer. Voilà. Et eux deux, ils vont sioup, aller par là, vers le nord. Et on avait Village qui allait poser ici le siège. Je suis pas sûr qu'il soit assez balèze pour la prendre. Non, défaite valeureuse. Alors, par contre, peut-être qu'il va vouloir sortir. Chance de bloquer les tirs. Oui. C'est de la merde, mais oui. Commandement, oui. Voilà. Tout sur eux. Peut-être qu'il va vouloir sortir. Et en vrai, s'il sort, on a peut-être une chance. Ah, mais on n'est pas tous morts. Marrant. Oh, they will die. Après, le truc, dès que je vois victoire, moi, je la prends en auto. Hein. Alors. Damnation. Off to damnation. Ok. Eux deux, ils vont aller calmer Malus. Reprendre la citadelle interdite et aller le calmer dans sa région. Et comme ça, après, on sera assez fort pour tabasser notre ami Siegwald le Magnifique. Archaon est toujours pas revenu. Toujours pas repop. C'est pas trop où il est. Prague a été reprise. Ok. Mais va être attaqué par Trott le Galeux. Très bien. De toute façon, ça, on va s'en occuper plus tard. Middenheim va être attaqué par Boris, on le sait. Donc on a arrêté d'investir dedans. Le fort des reins, par contre, il faudrait peut-être qu'on la tienne. Mais au pire, on reviendra, on va gérer tout ce qu'il y a là-bas. Et on reviendra s'occuper de ça plus tard. Ah bah il est là. D'accord, il est arrivé ici. Pour aller s'occuper de la dent d'or. Il veut pas la paix tout de suite. Ouais, bah écoute, tu vas aller t'occuper de ça, Archaon. Voilà. Si je te dis d'aller là. Voilà, on va aller tabasser ça et se faire tout ça. Voilà. Puis au pire, il ira tabasser la rose bleue après. Et c'est Archaon qui doit prendre Aldorf. Hein. Ça, c'est obligatoire. Il y a trop rien qui peut attaquer Zarnagrund. Donc, Festus, tu vas peut-être accompagner Archaon en vrai. Il n'y a trop rien qui peut emmerder. Qu'est-ce qui se passe? Événement. Ok, j'ai un événement qui fait moins 5. On verra bien. Oui. Un ordre disponible. Ah bah oui. Plus de chaos. Plus de chaos. Plus de corruption. Alors. Il y a notre ami Scarbrand qui est toujours en vie. Assez impressionnant. Quoi? Non. C'est vrai que j'ai vraiment, littéralement, emmené tout le monde, quoi. J'ai emmené tous les méchants. Contre Nagarmon.
En vrai, si vraiment tout le monde y allait, Nagarand, il tiendrait mais 2 minutes, quoi. Ça ferait youhou! Je m'en fous. Et là, imposer la Confédération. On avait l'accord. Je l'avais dit, hein, que je le faisais en auto. Parce qu'en fait, si j'attendais trop, il allait me faire un bel accord. Ok. On a bel accord, on a bel accord, on le sait, on fait la fête. Pardon. Alors, on a bel accord également maintenant. Bon. Village. Mon petit village. En vrai, c'était pas une si victoire à la Pyrrhus que ça. Hein. Ah, ok. Et en plus, on récupère une ville très très haut niveau. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup beaucoup. Ok. Bel accord, c'est fait. Bah plus que Siegwald, hein. Allez hop. Bonjour. For Slaanesh, I offer this sacrifice. Quoi? Voilà. Bringer of darkness. Decadence calls. Ecstasy awaits. Alors, attaque éclair, ça pourrait toujours être utile. Destrier du chaos, merci. Tu vas prendre une lame géante, ce sera mieux. Les scripts bleus. Ah, on leur a pas mis d'objet. Peut avoir une épée. Est-ce qu'on s'en fout un peu? Ouais, il y a tellement de... Mais non. C'est pas ça, c'est ça. Ça. Un talisman. C'est vrai que j'en ai pas mal, là, des objets. Une petite... Attends. T'as pas d'armure, tiens, prends une armure du destin. Exquisite decadence. Toi, prends un homme du trompeur. Vas-y. J'ai même pas envie de le faire, en fait. Faudrait que je le fasse entre deux épisodes, là ça va être... Tempest incarnate. Ça va être long pour pas grand chose. I love it when they struggle. Frappe colossale, c'est bon. Hop. Ah, ils ont pas encore ça. Ils l'ont maintenant? Ils ont le droit? Oui. What? Hop. Ok, donc ça, c'est parti, la guerre. Ok, en plus là il y a du Nagarond, hein. On aurait pu attaquer Nagarond par là aussi. Ok, donc Village est là. Village pour aller chercher celle-là. Deux guerriers du chaos supplémentaires, ça me parle. Voilà, ça me parle, ça. Alors, est-ce qu'on les améliore en Zench?
Moi, je pense que oui. Hein. Voilà. Lui en slanesh. Eux, on peut leur mettre une armure. Pas eux, je pense. Ah non, ils ont pas de... Ah, mais on peut les... Ah non, on peut pas les marquer, les trolls. Il me semble qu'il y a des trolls marqués, normalement, dans le lore, de mémoire. Hop, plus d'argent. Voilà, il a une armée, un peu mieux. Et il va aller chercher les Moong en prenant celle-ci. Pendant que les deux autres, ils iront sur celle-là. Et en vrai, on aura déjà bien affaibli Sigvald. Et il ne lui restera plus que celle-là qui contrôle une région. Enfin, celle-là, pardon. Et si on arrive à prendre tous ses vassaux, déjà, s'il lui reste plus qu'une ou deux forteresses... Non, parce qu'attends, en forteresse... Parce qu'il a beaucoup de villes, mais il a une, deux, trois, quatre forteresses noires, c'est ça? Ça doit être ça. Donc si déjà on lui prend toutes ses forteresses noires, on va évidemment en garder une, genre celle-là, pour la fin, hein. Comme ça on lui laisse une grosse ville pour se défendre, au cas où un méchant voudrait... voudrait le tuer. Alors, oh, un camp. Bonjour. Au revoir. Ils m'ont quand même fait 33 morts. J'arrive. Ça va vite se barrer, hein, devant les armées du chaos, évidemment. Là, il y a une forteresse noire. On pourrait peut-être aussi tabasser Grimgor. Hein. Récupérer de la forteresse noire, là. Peut-être voir pour essayer de récupérer genre cette forteresse noire-là à Kugat. En lui revendant genre ça, par exemple. Je sais pas si ça lui plairait. Mais bon, on verra ça. Seigneur garnison, Vilich. Oui. Bah, Vilich, il y va. Bâtiment. Nangao. Hop là, ici. Eux, ils se sont déplacés. Hein. En vrai, encore vous déplacer. Hein. Il faut aller le plus vite possible. Ok, bon, il nous manquera... Ah merde, j'ai pas déplacé cela. Dans cette histoire, il nous aura manqué que Valkia. Malheureusement. Tristesse et volupté. Au pire, on laisse l'Empire devenir plus fort. Hein. Une crochue est fort, hein. Ils sont à la moitié de ma puissance. Hein. Oui. T'es le prochain sur la liste, mec. 3000 balles pour un accès militaire. Ah, il veut vraiment passer. Mais t'es le prochain sur la liste, alors je vais peut-être pas trop te... t'accorder des trucs, tu vois. On arrive. Victoire à la Pyrrhus. Ah oui. Oh! Chevaliers de Calédor sont morts. Hop, on arrive. On arrive, hein, mon petit malus. On arrive. Ici, on a dit que... Nous, on veut débarquer ici, hein. Donc il faut qu'on continue à remonter par là. For the Dark Prince. Hop.
Ah, peut-être que eux vont nous attaquer, hein. Empire of the waves. On sait que les pirates, des fois, ils aiment... Mais bon. On a deux armées ici. Et on la ferait très certainement. On la ferait très certainement. Hop, village. Est-ce que les Hagols vont loin, hein? Alors, ça donne quoi là-dedans? Ok, petite forteresse noire. Ça, on récupérerait bien. Là, je gagne de l'argent, je gagne pas mal d'argent. Est-ce qu'on relèverait pas une armée? J'ai un peu peur du fort des reins quand même. Hein. Combien de temps? Ah, il est avec level 14. Nul. 3 tours. Bénédiction de Slaner. Tu vas pas rester longtemps. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Merde. Toi, tu vas pas rester longtemps, hein, mec. Tu vas vite être remplacé par Belly Bello. Deux armées d'ogres. On se les fait easy peasy. Ok. Seigneur en garnison, Lothar. Pas du tout. Ok, bien, on a presque nos objectifs. Nous sommes contents. Préparer une force au fort des reins, qui sera remplacée par Bellacor. Une fois qu'on s'est occupé de Malus Darkblade, ça redescend. Et après, une fois qu'on a récupéré Sigvald, on redescend tout pour aller tabasser l'Empire avec le débarquement. Complet. Non. Je te laisse traiter avec lui-même. Il a l'air de vouloir te casser le cul pour le coup. Et s'il s'occupe de toi, il s'occupe pas de moi. Voilà, je le savais. Alors je perds quoi? Je perds beaucoup là. Je perds beaucoup. Garde des profondeurs, des sirènes. Ah, chiant. Ça, il faut que ça aille chercher les canons. C'est ça qui est chiant. Après, le reste, ça va en vrai. Ah, ils ont quand même un colosse. Allez, c'est parti. Il faudrait... Ah, les guerriers de cornes ont pris si cher contre les nains du chaos. Il faut que je regarde si je peux pas les passer en élus de cornes, d'ailleurs, avec leur niveau. Ça va nous emmerder. Le colosse va être un problème. Mais une fois qu'on les tue, ils meurent. Hein. C'est. Il me semble que c'est pour. C'est pas pour ces gars-là. Ils sont pas normalement. C'est pas eux qui ont les trucs de. De Noctilus. Pour le moment, on va se planquer dans la forêt ici avec eux. J'ai bien envie de mettre le max dans la forêt en fait. J'ai pas trop envie de me faire tirer dessus. Tu peux pas être dans l'ombre toi. T'es sur quoi en fait? Ah, t'es sur un hôtel, d'accord.
Combien de temps pour les renforts? 40 secondes. Toi, tu peux pas te cacher non plus. Alors, hop. C'est quoi ça? C'est le colosse. Ok. Son armée à lui, elle est en un peu meilleur état, donc je préférerais que ce soit lui qui prenne d'abord le fight. Ils font n'importe quoi! Aïe 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 aïe. Quoi ça? Faut qu'il y a plus de vie là. Barrez-vous. Toi. Barre-toi. Mais faut charger les gars. Yes. Pestilent marauders. Stand clear. Tu peux avancer, s'il te plaît. T'es censé avoir de la masse, hein, Kolek. Je sais pas pourquoi il a si peu de masse. Là. Chaos falling us of call! Seize a blood! Des boucaniers. Ah, on a besoin de renfort là-bas. Hein.
Je crois que mon sorcier est mort. Bah écoutez, vous, si vous avez rien d'autre à faire que rien, moi je vais vous trouver des trucs à faire. Du genre, allez chercher ça. Allez chercher ça. Pourquoi elle est toujours en vie? Collec. T'es incapable d'y aller, c'est ça? Regardez, il la tape pas. Pourquoi il... Voilà. Il y a le colosse de ses morts. Ok. Ok, ça va. Ok, c'est bon. Oh, il est encore vivant. Oui. Reste en 5. Ouais, il peut rester des gens, c'est des morts. On s'en fout, ils disparaissent. Donc c'est pas très très grave. Ah oui, 8000 balles tout de même. Alors, on a rien perdu. Au lieu de faire normalement... Ok. Je sais pas, mais débauche réjouissante, ça me plaît. ok. Voilà. La perversion, la débauche et tout. Ça, ça me plaît. Alors. Vous pouvez aller jusque là-bas. Toi et l'autre. Très bien. Hop. Moi, on sera pas dans l'attrition. Alors ça c'est un truc que j'apprécie par contre dans Pharaoh, dans Total War Pharaoh, c'est que l'attrition elle se fait pendant le déplacement, pas à la fin du tour ou au début du tour comme c'est le cas dans ce Total War, ce qui fait que bah tu prends quand même de l'attrition même si t'es pas sans... Enfin, tu prends de l'attrition quoi. Tu te balades, tu prends quand même l'attrition et ça c'est très bien. Moi j'aime beaucoup ce système. Parce que sinon c'est trop facile. Voilà, là, tu regardes, ah là je prends pas d'attrition, bah, je me mets là-bas. Ok. Malus a l'air plutôt bloqué. Darkling Prince. D'accord que s'il m'attaque, oui. Alors là, on est à 50-50, mais avec les deux armées, on le bat. Donc il la prendra peut-être, cette bataille, je ne sais pas. Hop là, on va faire ça ici. On va hop, hop. Combien de tours pour... Bellacor... 2 tours encore, ok. 2 tours, 2 tours.
Alors, on va quand même, voilà, il y a Boris qui est là, qui va certainement aller sur Middenheim. Mais c'est pas grave, on est en train de préparer une armée pour Bellacor, pour ça. Ça c'est bon, ça on arrive ici, on va débarquer là. Je sais pas s'il faudrait pas détruire les deux. Ça on va récupérer les Moong. En vrai ça devrait bien se passer aussi pour avoir notre ami Sigvald. Ok, Festus est là. Festus il va aller par là. Et toi, bonjour. Bonjour. Il va évidemment s'enfuir vers son copain. Ah mais tu peux pas l'atteindre, c'est quand même dommage. Bonjour. T'as osé prendre des villes à moi? Eh bien... merde, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais prendre l'argent. Bonjour. Tu t'enfuis aussi? Quelle bande de lâches, hein. Oh non, on va pas faire le tour de l'univers. On va d'abord leur marcher sur la face. Ok. Bien. On va pouvoir détruire ça assez facilement. Nangao. Malus, on va s'en charger. Seigneur en garnison non déplacée. Oui, mais ça c'est normal. Toi, tu es en recrutement, mon ami. Hey, j'ai de nouveau du pognon. C'est bien de faire des guerres. Coup d'amélioration des bandes, recrutable, capacité 3 guerriers du chaos. Ouais. Si on peut pas l'améliorer, celle-là, on peut l'améliorer, celle-là, on peut améliorer ça, vas-y. Non. Forteresse rouge. C'est celle de Village, ça. Prends le pognon. Point de compétence non assigné. Sur Archaon. D'accord. Épée là-bas, la tête enflammée. Ça fait quoi ça déjà? Chaque tour, l'armée aura accès à un sort de cataclysme. Bonjour. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air marrant. Le nom est marrant en tout cas. Sort des cataclysmes, moi ça me va, ça me parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant je vais te raser la face. Oh, Archaon il est là, il est pas venu pour, hein, pour faire de la visite. Hein. Il est venu pour casser des gueules. Il en a marre, là il était dans des tunnels de nains du chaos, ça sentait la... Ça sentait la bière faite, la bière un peu à... Vous savez, la vieille bière, la vieille pisse. Moi, c'est des nains du chaos, ils savent pas boire la bonne bière. Berk. Vous avez déjà vu de la bière avec des pustules à l'intérieur? Ben, c'est ce que boivent les nains du chaos. Elmangors, Malus, portée de déplacement, collègue, ok. Hey, c'est vraiment... Il se barre vraiment, là. Bonjour. Oh, Karakazorn. Au revoir. Je la prends. Disons qu'on pourra peut-être la revendre à des gens qu'on aime bien. Alors. Question, c'est est-ce que je peux te vendre Karakazorn? Non. Ça c'est un peu con. Parce que je voudrais bien échanger contre ça. Oh. Bonjour. Ah, il y a Festus ici. Ok.
Ok, il peut pas m'attendre. Parce que ça, ouais, son armée, elle est pas... toi, tu t'es déplacé. Oui, seigneur non déplacé. Tout ce qui est collecte et tout. Alors... où est-ce qu'on peut débarquer ici? Si je te dis d'aller... Là. Là, tu pourrais débarquer ici. Ben, vous allez aller débarquer là-bas. Décadence awaits. Seeking fresh conquest. What? Voilà, vous deux, vous allez aller débarquer ici. On sera pas mal. Toi, t'attends avant de lancer l'attaque. Évidemment. Évidemment, on va pas déclencher l'attaque trop tôt. Faut qu'on arrive à prendre. Ce serait bien d'arriver à lui prendre deux citadelles noires d'un coup. Ah, ça fonce sur Aldorf apparemment. Je pense qu'on a une ligne directrice. Bon, Aldorf, elle tombera pas comme ça. Hein. Je pense pas qu'il arrivera à la faire tomber. Azazel, ah oui. Azazel peut y arriver. Et lui aussi. Alors. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu sa... son embuscade. Alors, est-ce qu'il la prend contre nous deux? Il la prend contre nous deux. Ça, c'est intéressant. On perd des chiens et des déchus. Et là, deux trolls. En vrai, son armée, elle va être tellement chiante à combattre. Elle va être trop chiante à combattre avec toutes ces ombres à la con. Dégâts des armes performantes plus 30. Ah ouais. Pas dégueulasse. I am chosen. Incarnate's name. Je crois qu'ils sont encore l'un à côté de l'autre. Ah oui, c'est pour ça que t'avais pas encore la... I am enlivened. Charger plus fort. Hein. Voilà, une fois qu'on aura pris ça, peut-être qu'on fera la paix avec Malus Darkblade. Il veut la paix ou pas? Il veut la paix. Il veut la paix. Donc on va reprendre notre bien et faire la paix avec Malus. Pour le moment, je vois pas pourquoi je lui ferai pas la paix. Seigneur en garnison. Oui, Lothar. Mais Lothar, tu peux pas. Tu peux recruter des choses. Il aura une belle armée, mais d'accord, quand il va arriver. Hein. Pas être trop dégueulasse. Cordera. J'ai juste pas les 20 000 balles, donc on va attendre pour le coup. Eux, ils ont encore augmenté. Alors, comment ça marche? Pour chaque tour, l'armée aura accès à un sort de cataclysme aléatoire avec le seigneur. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, non. Hop là. Comme ça, le fort des rangs, on pourra le passer niveau 5 au prochain tour. Quoi? Non. Pas tout de suite. Ah, c'était sa seule armée à Greffe. Ah, mais peut-être qu'alors on pourrait aller le raser complètement. Et détruire à Greffe nous enlève un ennemi. Et on récupère des villes au-dessus. On récupère au moins une forteresse noire.
Ça pourrait être intéressant. Ah oui, bah là ça fuit. Hein. Bonjour. Voilà, il va fuir. Je peux pas y aller. Non ! Grécius. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je vais faire le pari qu'il peut pas venir. Il peut peut-être venir. C'est pas très grave. Mais au moins, on gagne des troupes. On se régénère. Prends un peu d'hygiène, oui. I look forward to the next patient. Fight, effect, both acceptable. Alors, le fort des reins. Yes, I'm ruinous power. Voilà, le fort des reins, niveau 5, c'est fait. Malus Darkblade. On était à tabasser son petit cul. Horns command, I go. Bonjour. Hop, là, ça c'est à moi. Ok. Donc, on avait dit qu'on n'avait pas de sous. Voilà. Combien de villes il lui reste alors? 4, c'est ça toujours? Après, si je lui demande 8000 balles, mais ça, ça nous rapporterait plus que 8000 balles à terme. Et oui. Et c'est les cargues. Ok, donc c'est eux. Très bien, très bien, très bien. Allez hop, on débarque. Et on débarque. Climb the mountain. Voilà. Bonjour. Alors, on nous a dit qu'il faisait beau ici. Et qu'on pouvait tabasser des culs. Voilà. Tout ce que je me souviens, moi. Tout ce qu'on m'a dit, c'était ça. Bâtiment endommagé, échec. Ah ouais, quand même. Les gens essayent de me casser des choses. Seigneur non déplacé, qui? Village. Voilà. Voilà. Lothar, oui, Lothar, Lothar, Lothar. Mon petit Lothar. Voilà. On peut pas mettre... il est pas revenu, Bellibello? Mais si, Bellibello, il est revenu. Baf, pouf, pif! Bellacour. Bellacour. Par contre, il l'a monté comme ça. Hmm. D'accord. Mais nous, ça va être là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.